Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 3 janvier 2022, direction l'hippodrome de Pau pour le prix Pierre Estrémeret, deuxième course de la Réunion 1 où 16 sauteurs âgés de 6 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. En ce troisième jour de l'année 2022, c'est avec un gros handicap divisé de première épreuve que nous allons tenter de glaner quelques précieux euros. Sur le parcours de L, on de 3800 mètres, il devrait y avoir du rythme sur une piste annoncée très souple. Tous les jockeys ayant à cœur de bien débuter l'année, il faudra simplement bien choisir ses préférés. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 9, Dilly Dancer. Cet élève du talentueux et redoutable Gabriel Linder sera monté par le non moins talentueux Clément Lefebvre. Auteur d'une très belle rentrée il y a quelques jours à peine, il va tenter de remporter son quintet plus avec ses fameuses œillères australiennes. Le numéro 3, Deo Gracias. Désormais âgé de 9 ans, cette femelle entraînée par Jean-Pierre Desraux peut compter sur la belle aide de Bertrand Lestrade pour jouer la victoire finale dans ce lot. En troisième choix, retrouvons le numéro 1, Zizaner. Patrice Quinton l'aime bien et compte sur l'aide de Félix De Gilles pour se sortir du poids élevé de 72 kg. En quatrième position viendra le numéro 6, Saint-Anjou. Mieux placé sur l'échelle des valeurs et associé à un certain James Rivelet, avec 69,5 kg seulement, entre guillemets, il est largement capable de réaliser un numéro. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 4, Garbure. Florian Besson est une nouvelle fois aux commandes de cette femelle entraînée par Gabrielle Inders, qui peut espérer jouer les premiers rôles si elle est patiente durant le parcours. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 8, Bois Royal. Alain Couetil l'aime énormément et pense qu'en pareille société, il est largement capable de jouer les premières places. En avant-dernier choix, le numéro 2, Gold Allen. Jean-Stéphane Lebrun est aux commandes de ce pensionnaire de Patrice Quinton et représentant de la casaque Papo, qui peut se rappeler à notre bon souvenir aujourd'hui. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 7, Danse avec Jersey. Le tandem Erwan Graal-Geoffrey pourrait bien être à l'honneur avec ce 11 novembre Fils de Spanish Moon qui aura une très belle cote à Moucro. En cas de non partant, le numéro 13, Goutte de Thé, actuellement en pleine possession de ses moyens, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi, Top Prono et Turf Sélection indiquent notamment le tiercé quarté quintet plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée. Et surtout, d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com.